Et bonjour à tous, c'est la blonde du web. On se retrouve aujourd'hui pour le Steam Open World Survival Crafting Festival qui commence le 27 mai et qui se termine le 3 juin. On est en 2024. Il y a un max de jeux de survie en monde ouvert, comme son nom l'indique. Franchement, je me suis régalée à vous préparer une liste de 11 jeux à moins de 12 euros. En fait, même 12 jeux, j'en ai rajouté un qui a plus de 12 euros, mais qui est vraiment incroyable, indispensable pour moi à posséder dans sa collection. Je t'ai classé les jeux par ordre de prix, ainsi ce sera beaucoup plus facile. Allez, sans plus attendre, je commence avec le premier jeu. Je commence avec The Forest, sorti en 2018. Il est aujourd'hui à 4,19€ avec 75% de réduction. L'offre se termine le 3 juin, mais toutes les offres se terminent le 3 juin. Donc je ne vais pas le répéter à chaque fois, n'oublie pas. Je rajoute que les avis sont extrêmement positifs. Il y a plus de 458 000 avis extrêmement positifs sur Steam. C'est vraiment un super jeu. En tant que seul survivant d'un accident d'avion de ligne, vous vous retrouvez dans une forêt mystérieuse, luttant pour rester en vie contre une société de mutants cannibales. Construisez, explorez et survivez dans ce terrifiant simulateur d'horreur de survie à la première personne. Entrez dans un monde vivant et respirant où chaque arbre et chaque plante peut être abattue. Sous terre, explorez un vaste réseau de grottes et de lacs souterrains. Abattez des arbres pour construire un camp ou allumez un feu pour vous réchauffer. Récupérez de la nourriture pour ne pas mourir de faim. Construisez un petit abri ou une grande forteresse au bord de l'océan. Posez des pièges et des défenses pour maintenir un périmètre de sécurité. Je précise que tu pourras jouer au Steam Deck à ce jeu. Deuxième jeu, encore un énorme classique avec Terraria. Il y a plus d'un million d'avis extrêmement positifs. Il était sorti en 2011. Il est aujourd'hui à 4,87€ avec 50% de réduction. Tu pourras aussi y jouer au Steam Deck. Le principe, creusez, combattez, explorez, construisez. Le monde lui-même est à portée de main alors que vous vous battez pour la survie, la fortune et la gloire. Plongerez-vous profondément dans des étendues caverneuses à la recherche de trésors et de matières premières avec lesquelles fabriquer des équipements, des machines et une esthétique en constante évolution. Peut-être choisirez-vous plutôt de rechercher des ennemis toujours plus grands pour tester votre courage au combat. Peut-être déciderez-vous de construire votre propre ville pour abriter la multitude d'alliés mystérieux que vous pourriez rencontrer au cours de vos voyages. Dans le monde de Terraria, le choix vous appartient. Troisième jeu avec Starbound avec 84 000 avis très positifs, sorti en 2016. Il est aujourd'hui à 5,59€ avec 60% de réduction. Tu pourras aussi y jouer au Steam Deck. Vous avez fui votre maison pour vous retrouver perdu dans l'espace avec un vaisseau endommagé. Votre seule option est de vous téléporter sur la planète, de réparer votre vaisseau et de partir à la découverte de l'univers. Dans Starbound, vous créez votre propre histoire. Il n'y a pas de mauvaise façon de jouer. Vous pouvez choisir de sauver l'univers des forces qui ont détruit votre maison, découvrant ainsi de plus grands mystères galactiques, ou vous pouvez souhaiter renoncer entièrement à un voyage héroïque en faveur de la colonisation de planètes inexplorées. Installez-vous et cultivez la Terre, devenez un propriétaire intergalactique, sautez de planète en planète en collectant des créatures rares ou plongez dans des donjons dangereux et revendiquez des trésors extraordinaires. Quatrième jeu avec Empyrion Galactic Survival, sorti en 2020. Il est aujourd'hui à 7,99€ avec 60% de réduction. Tu as aussi la possibilité d'acheter l'édition complète à 16,18€ avec 46% de réduction. Compatible au Steam Deck, Empyrion Galactic Survival est une véritable aventure de survie dans un bac à sable spatial qui combine de manière unique des éléments de simulation spatiale, de jeux de construction, de jeux de survie et de jeux de tir à la première personne. Construisez de puissants vaisseaux capitaux, de vastes colonies planétaires et de vastes stations spatiales au cours de votre voyage galactique pour découvrir les mystères d'Empyrion. Construisez de puissants vaisseaux capitaux, des chasseurs agiles, de vastes colonies planétaires et des stations spatiales en toute liberté, pièce par pièce, où vous le souhaitez, ou téléchargez des plans de communauté prédéfinis depuis le Steam Workshop et personnalisez-les avec vos propres idées. Cinquième jeu avec Stranded Deep, sorti en 2022. Il est aujourd'hui à 7,99€ avec 50% de réduction, jouable aussi au Steam Deck. À la suite d'un mystérieux accident d'avion, vous vous retrouvez bloqué dans la vaste étendue de l'océan Pacifique.
Seul, sans aucun moyen d'appeler à l'aide, vous devez faire ce que vous pouvez pour survivre. Explorer sous l'eau et sur terre en recherchant des fournitures pour fabriquer les outils, les armes et l'abri dont vous aurez besoin pour rester en vie. Restez vigilant. La faim, la soif et l'exposition conspirent contre vous alors que vous affrontez les éléments perfides et les créatures dangereuses du Pacifique. Vivez assez longtemps, restez en vie. Sixième jeu avec Pixark, sorti en 2019. Il est aujourd'hui à 8,49€ avec 75% de réduction, jouable au Steam Deck. Dans Pixark, un monde vaste et sauvage rempli de dinosaures vicieux, de créatures magiques et d'aventures sans fin sont au programme. Pour survivre dans ce pays mystérieux, vous devez apprivoiser des créatures à la fois féroces et câlines, fabriquer des outils magiques et de haute technologie et construire votre propre base à partir de cubes. J'enchaîne avec Space Engineer qui se rapproche des 100 000 avis très positifs, sorti en 2019. Il est aujourd'hui à 8,49€ avec 50% de réduction. Par contre, il n'est pas compatible Steam Deck. Il s'agit d'un jeu bac à sable sur l'ingénierie, la construction, l'exploration et la survie dans l'espace et sur les planètes. Les joueurs construisent des vaisseaux spatiaux, des véhicules à roues, des stations spatiales, des avant-postes planétaires de différentes tailles et utilisations civiles et militaires, pilotent des navires et voyagent dans l'espace pour explorer des planètes et rassembler des ressources pour survivre. Doté à la fois de mode créatif et de survie, il n'y a aucune limite à ce qui peut être construit, utilisé et exploré. Je continue avec TerraTech, sorti en 2018. Il est à 8,49€ avec 66% de réduction, jouable au Steam Deck. Comme les autres jeux, on est sur un jeu d'aventure bac à sable en monde ouvert, dans lequel vous concevez et construisez vos propres créations à travers un mélange d'artisanat, de combat et de découverte. Concevez des voitures, des chars et des avions à partir d'une immense bibliothèque de blocs. Récupérez, fabriquez et achetez de nouvelles pièces pour survivre et devenir le prospecteur planétaire ultime. Commencez votre carrière en tant que prospecteur intergalactique à la recherche de profits et de gloire en campagne. Construisez votre guise en mode créatif ou affrontez vos techs contre la montre dans le défi Gauntlet. J'enchaîne avec Kenshi, sorti en 2018. Il est aujourd'hui à 10,79€ avec 60% de réduction, jouable au Steam Deck. On est sur un RPG basé sur une équipe en itinérance libre et axé sur des fonctionnalités de jeu sandbox ouverte plutôt que sur une histoire linéaire. Soyez un commerçant, un voleur, un rebelle, un chef de guerre, un aventurier, un agriculteur, un esclave ou simplement de la nourriture pour les cannibales. Recherchez de nouveaux équipements et fabriquez de nouveaux équipements. Achetez et améliorez vos propres bâtiments pour les utiliser comme refuge fortifié et sûr lorsque les choses tournent mal ou utilisez-les pour démarrer une entreprise. Aidez ou affrontez les différentes factions du monde tout en cherchant la force et la richesse nécessaires pour simplement survivre dans le désert aride. Entraînez vos hommes de petites victimes à des maîtres guerriers. Emmenez vos coéquipiers blessés en sécurité et ramenez-les tous vivants à la maison. Avant-dernier jeu avec Man Eater, sorti en 2021. Il est aujourd'hui à 11,89€ avec 65% de réduction compatible au Steam Deck. Vivez le fantasme de puissance ultime en incarnant le prédateur suprême des mers, un requin terrifiant. Man Eater est un RPG d'action solo en monde ouvert dans lequel vous êtes le requin. En commençant comme un petit requin, vous devez survivre dans un monde hostile tout en progressant dans l'écosystème. Pour ce faire, vous explorerez un monde ouvert, vaste et varié en rencontrant divers ennemis humains et sauvages. Trouvez les bonnes ressources et vous pourrez grandir et évoluer bien au-delà de ce que la nature a prévu, permettant aux joueurs d'adapter leur requin à son style de jeu. C'est une chance car pour venger du cruel pêcheur qui vous a démembré, vous devrez évoluer en un énorme requin, un prédateur suprême des légendes. Manger, explorer, évoluer, telle est votre mission. Dernier jeu à moins de 12€, mais pas le dernier de cette vidéo, je te propose Astroneer, sorti en 2016. Il est aujourd'hui à 11,99€ avec moins 60% de réduction, tu pourras y jouer avec ton Steam Deck. Vous allez explorer et remodeler des mondes lointains. Astroneer se déroule au cours de l'ère intergalactique des découvertes du XXe siècle.
où les astronautes explorent les frontières de l'espace, risquant leur vie dans des environnements difficiles pour dénicher des découvertes rares et percer les mystères de l'univers. Les joueurs peuvent travailler ensemble pour construire des bases personnalisées au-dessus ou sous Terre, créer des véhicules pour explorer un vaste système solaire et utiliser le terrain pour créer tout ce qu'ils peuvent imaginer. La créativité et l'ingéniosité d'un joueur sont la clé pour réussir dans des aventures planétaires passionnantes. Et je conclue cette vidéo avec un bonus, le 13e jeu de cette liste qui est à 14,99€. Oui, on est au-dessus des 12€, mais franchement, pour moi, c'est le jeu avec un grand L, le jeu de l'Open World Survival Crafting Festival. Je te parle bien sûr de Subnautica. Sorti en 2018, il a plus de 244 avis extrêmement positifs. C'est mon chouchou de cette liste. Je l'avais découvert quand il était gratuit lors d'une semaine sur Epic Games. Et depuis, je l'adore. J'en parle à tout le monde. Si tu aimes ce type de jeu, franchement, c'est celui-là à posséder. On est sur un jeu d'aventure sous-marine se déroulant sur une planète océanique extraterrestre. Un monde immense et ouvert, plein d'émerveillements et de périls vous attendent. Vous vous êtes écrasé sur un monde océanique extraterrestre et la seule façon de vous y rendre est de descendre. Les océans de Subnautica s'étendent des récifs coralliens peu profonds baignés de soleil aux tranchées dangereuses des profondeurs marines en passant par les champs de lave et les rivières sous-marines bioluminescence. Gérez votre approvisionnement en oxygène pendant que vous explorerez les forêts de Varek, les plateaux, les récifs et les systèmes de grottes sinueuses. L'eau regorge de vie, certaines utiles, d'autres nuisibles. Voilà, on est au bout de cette sélection très personnelle de jeux en open world. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu possèdes déjà certains jeux ou si au contraire certains ont donné envie de les acheter. N'oublie pas, tous les liens des jeux sont dans la description sous la vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.